Quand le médecin légiste arrive sur la scène de crime, Claudine Brossard, 57 ans, est étendue près de Vignes. Sur son corps, les traces de coups évoquent des violences répétées pendant plusieurs semaines. Mais aucune n'aurait entraîné son décès selon l'expertise médico-légale. Une hypothèse, la victime serait morte de froid et d'une infection généralisée due au mauvais traitement qu'elle a subi. Il est nié très fortement par la défense qu'il y ait eu une absence de soins. Au contraire, on vient indiquer qu'on a prodigué des médicaments, qu'on a appliqué de la pommade. Cette femme est morte et elle est morte avec un corps qui a été laminé par des lésions multiples extrêmement graves. Une femme vulnérable, alcoolique, ne sachant ni lire ni compter. Elle est sous curatelle depuis 30 ans quand elle s'installe chez le couple d'accusés. Dès lors, André Royer et Marie-Pierre Espinoza la dépouillent des quelques dizaines d'euros qu'elle reçoit chaque mois. Et un soir, André Royer l'empêche de s'enfuir car, je cite, « il avait peur d'avoir des ennuis ». Quand on est avocat ou juriste, ça peut ressembler à de la séquestration. Quand on a le niveau intellectuel et social de mon client, ça met un peu plus de temps à s'expliquer. Ce qui est en question, c'est la capacité de compréhension d'un certain nombre de choses par des accusés à qui on va demander de s'expliquer sur des phénomènes juridiques avec des mots savants qu'ils ne comprennent pas. Un mystère demeure. En 2011, Claudine Brossard avait déjà porté plainte contre le couple et là encore pour des faits de séquestration. Alors, comment se fait-il qu'elle emménage 5 ans plus tard chez ces mêmes personnes ? Cela restera peut-être l'angle mort de ce procès.